Bonjour et bienvenue, on est reparti. On est reparti pour un nouvel épisode. On commence à avoir une petite famille de rats, de rats taupes et de rats mix aussi. Genre celui-là, il est infecté et il peut transmettre la peste comme celui-là. C'est pas, ça fait pas grand chose en fait pour nous, mais enfin pour nous si, mais pour les ennemis ça fait pas grand chose. Mais c'est marrant. C'est marrant, on a des ramix. Très 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 bizarre. En tout cas, dans cet épisode, nous allons rentrer à Stromcap. Et potentiellement essayer... Désolé, j'ai du mal. Et potentiellement essayer de combattre des gardes pour finir la quête de notre copine, cette telle. Et on veut aussi un nouveau cheval. C'est la ferme Prosper qui donne des chevaux. Ou... Ah, peut-être l'écurie du plateau, peut-être. Je crois que c'est l'écurie du plateau. Yes. Hop, boum, 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 boum. On a aussi ça. On va en profiter, on pêche un peu. Donc on a commencé, on doit être au milieu, voire peut-être la fin. Une zone, une autre contrée en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a foutu une carcasse dans un puits d'eau. On a contaminé un puits d'eau. On a fait sauter un pont. Enfin, fait sauter un pont. On a détruit un pont. On a arrêté des caravanes. On a tué des gens. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Enfin, honnêtement, on s'est bien occupé. Avec Kiri du plateau. On s'est bien occupé, je trouve. Bon, on sait se faire des amis. Ah oui, on a aidé aussi un lieutenant. C'était un général ou un lieutenant, j'en sais rien. À faire sa mission, tout ça. Bon, après, on l'a tué. Après, on l'a tué, je sais pas pourquoi. C'était pas vraiment voulu, mais... On va prendre celui-là. Celui-là de poney. Ah, attends, faut peut-être regarder la couleur. Qu'est-ce qu'on a, nous? Nous, on a un poney gris. Là, c'est un poney noir, normalement. Mais bon, avec, avec l'armure, on va la changer. Là, c'est quoi? C'est le même? Ah non, c'est pas le même. Ah non, on n'a pas le même. Ça, c'est notre poney de combat, par contre. Ça, c'est la même couleur. Bon, on va prendre celui-là, je crois. Il a solitaire. De toute façon, c'est pour le... porter, hein, c'est pas autre chose. Par contre, ils sont niveau 4. Niveau 5, ou l'autre. Ouais, non, on prend ça. Hein. 210. Let's go. Coût du recrutement des compagnons réduit de 10%. Ça, c'est maintenant que qu'on a ça. Un nouveau compagnon. Non, c'est bon. Alors, transport augmenté. Et voilà. Nickel. Ah oui, c'est vrai qu'on avait des choses. Les animaux.
Ça a devenu un bordel. Cet inventaire. Ça. Vitesse de déplacement dans le monde augmenté. On est à combien? 366. À la limite pour le moment. Pour le moment on n'a pas besoin. Il y a les armures aussi qu'il faut vendre. On a les épices. Ok. Transport 62, 74, 55. Très bien. Très très bien. Ça il montera de niveau lui. Voilà. On a donc 3 poneys. On a un poney de guerre. Et attends. Du coup on va faire un truc qui a un peu plus de sens. Sur lui. Et lui on va mettre la sacoche. Voilà. C'est pas mal là. Je pense qu'on a une fine équipe. Je pense qu'on a une fine équipe. Et on a toujours 1400. On va en profiter de l'argent pour récupérer de la nourriture et tout ça. Enfin, surtout, et oui, parce que maintenant on peut. Et du poids. Et on a une mission à faire aussi. On doit donner un papier ou un truc comme ça. Je sais pas trop quoi. La Storm Cap. Yeah, bonjour, ça fait longtemps. Alors toi, épices, tiens. Cette odeur, j'imagine déjà les gens se précipiter vers mon étal intrigués par ce fumé et prêt à acheter à tout prix. Mes confrères vont me jalouser. Je me demande s'il va en vendre maintenant. Ça serait bien qu'il en vende. Je suis d'accord pour m'associer avec un petit marchand, mais ce n'est pas le cas de mes anciens fournisseurs. J'ai reçu des menaces depuis votre dernière visite. Si vous voulez... pas retrouver mon étal en miettes, il va falloir vous en occuper. Une cliente m'a avoué les avoir vus à la sortie de Stromcap en train de m'épier. Ok. Ça marche, on va se le faire. Alors. Contrôle, hop. Alors, du mouton. Du poulet. Ça fait cher le poulet quand même. Attends. D'abord, on va voir le forgeron. Ah, ils sont là, les mecs. Bonjour, ça va bien? Vous vous rappelez de nous? Comment ça va? Voilà, 85. Ouh. Sont comme neuves les armures pour de vrai ou pas? Ouais. Alors, normalement on n'a pas assez. Ouais, on a plus de minerais quoi. On va refaire un peu le tour des minerais hein, par contre. Hein. Peut-être qu'on peut un peu se balader en fait ici. Faire un peu le tour. Ah, fais voir. Est-ce qu'on peut pas refaire notre camp? Vas-y, fais voir. On peut les mettre comme ça, genre ils broutent. Mais je préfère les voir en fait. Comme ça. Ça sert à rien. Faudrait le mettre à côté des trucs en fait pour qu'il ait des. Qu'ils s'entendent bien quoi. Non. Il y a très
Voilà, on est bien là comme ça. Alors, fais voir. Tu vas me les blanchir ces machins? Bon, au moins on en a 50, c'est bien. Nickel. Alors, on peut rien faire parce qu'on n'a pas de minerai. Pas de problème. De toute façon, ils vendent pas de minerai, eux, par contre. C'est un peu chiant. Voilà, bon bah on a volé ce qu'on voulait. Alors là. Les remèdes on va pas le faire parce qu'on a besoin des iris. On a beaucoup de remèdes sur nous. Encore 13 là. On va peut-être soigner les bêtes. Ça aussi, ça va, on a 1100. Ah oui, on va vendre des choses. Donc on avait dit que les armures ah, on n'allait pas attendre, hein. Ah tiens, j'ai une sacoche qui manque un peu trop. Hop, très bien. C'est horrible ces chats-là. Voilà. Parce que ça, en fait, c'est à chaque fois, c'est 3. Honnêtement. À chaque fois, c'est 3 remèdes contre la peste. Donc, si jamais on a beaucoup de gens qui sont contaminés, parce qu'honnêtement, là, on a beaucoup d'animaux. Bon, on a très peu d'animaux qui sont vraiment importants. Mais ouais, ça peut être un problème si jamais on combat des rats. Donc si on en a que 3, on va être dans la merde. Donc je préfère en prendre à chaque fois. Comme ça, voilà, on est presque une dizaine, on est 8. Très bien. On a des fioles. Minerai de fer. Je regarde si on n'a pas des babioles. On a du bois. Ça, du bois, ça va. Il nous faudrait plein de blé. Il nous faudrait plein de blé. Comme ça, on peut faire la. C'est quoi la tarte aux pommes ou je sais pas quoi. Je me demande si on prend les poulets ou pas. Quoique les poulets, en fait, on peut pas les. Merde, on peut pas les faire, les poulets. Les poulets braisés, on peut pas les faire. Donc, c'est pas vraiment très intéressant pour le moment. Les pommes aussi, c'est rare. On est descendu en dessous des 1000, faut faire attention. Mais on a de la nourriture. Toi, t'as quoi? T'as du fromage, du pain et de l'eau de vie. L'eau de vie, on prend. Il y a 17 jours, acheté épices à Cortia pour 50. Il y a 97 jours, vendu. Drap à caravane marchand pour quoi? Journal des marchandises. J'avais jamais fait attention, ça. Je crois que c'était juste un. Ah, intéressant. C'est quoi? C'est le monde qui bouge en fait? C'est intéressant. On va là, la taverne. Bon, la taverne, on doit informer quelqu'un. Informer. Yes, récupère votre récompense. Merci. Voilà, de l'eau de vie. On pourrait la prendre. Ah, c'est bien là d'avoir de la place, hein. C'est vraiment bien d'avoir de la place. Honnêtement, là, on revit.
On est à 4 sur 4 déjà, ça marche. Là j'avoue, on revit là. Je vais voir un peu les gens qui sont là. Niveau 4. J'ai l'impression qu'ils doivent être... Enfin, les chocolats, ils sont pas très élevés en niveau. Rôdeuse, rapide, dépressif, c'est super. Comme j'ai dit, il y en a déjà assez avec moi. Une brute. Enfin, on a besoin de personnes. Enfin, dans un sens, on a besoin de deux personnes. Une pour remplacer Aegram et une autre pour remplacer Tort. Après, comme j'ai dit, pour le moment, c'est pas très grave. Enfin, je pense qu'on va rencontrer des gens, peut-être encore. Empoisonneur, c'est marrant. On va peut-être rencontrer des gens un peu comme Orlin et tout ça, elle nous a rejoint. Il y a Lucinima aussi qui nous a rejoint. C'était une hors-la-loi. Elle est toujours hors-la-loi, mais maintenant elle est destructeur tank pour nous. Elle a des bons traits. Bientôt niveau 5. Orlin nous a rejoint, elle était très basse aussi. Mais elle s'est bien faite à l'équipe. Donc ouais. Ça nous évitera de dépenser des 100 et des 1000 là à recruter des gens. À chaque fois. Bon, on va se faire les mecs. Oh, les pécores là. Qui vous a dit que nous étions ici? C'est ce lâche de marchand qui ne veut pas nous affronter seul. Il n'assume pas sa trahison. Qu'est-ce de quoi il parle? Oui, trahison. Vous avez bien entendu, sa famille vend nos étoffes et nos poteries depuis toujours et du jour au lendemain, il préfère commercer avec Gusenberg. Ouais, enfin, c'est bien pour nous. Il se moque bien de la misère qu'il provoque chez les autres. Et vous aussi, et votre Aldeberg aussi. Il ne laissera pas intimider par les mercenaires. Il mérite tout le... Ok, ça marche. Ouh. Ah, c'est pas des merdes, hein, quand même. Hein. Des niveaux 5, hein. C'est pas des merdes du tout. Alors... Oh, c'est... Oh, putain. Pas quoi. Non, frappe lourde, ça va. Double tir. Lui, il a ça, là. Applique saignement si l'armure a subi des dégâts. C'est une horreur, ce machin. Ah ouais, c'est une horreur, ce truc. Bon, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Ils sont par 3, ça va. Bah du coup le lion, ouais l'ours quoi. Je vais aller dessus. Alors Kirik on peut... Elle est où là? Il est où l'autre? Edrak. Je sais plus comment il s'appelle. Hacker. Elle va me manquer quand elle sera plus là, honnêtement. Elle va vraiment manquer. Orlin. On va tous les mettre vers le centre. Ok, cool. Taurus. Avec Orlin. J'aime pas trop notre placement en fait, mais bon. Avec. Alors. On a lui qui commence, c'est le chef. Ils ont un chef? J'ai même pas fait attention. Si, ils ont un chef, c'est lui. Alors, c'est lui qui commence. En plus, tu fais de l'armure. Enfin, tu casses l'armure, t'es chiant. Du coup, tu tankes l'ours. Aegram, tu vas te prendre.
Enfin, honnêtement, non. Le loup, tu peux. Ils ont toujours le l'inspiration du chef. Ah mais c'est lui le chef. C'est une horreur cette attaque. Vraiment une horreur. Catastrophe. Catastrophe ambulante. Pas mal. Faire ça. Ah mais on va même te tuer en fait. On va même te tuer. Peut-être pas vraiment nécessaire d'utiliser ça. Alors, on va faire... On va s'amuser avec eux, là. Fait mal. Je vais voir si... Ok. Ciblage. Elle est pas en joue, donc je peux pas aller là. La couper. Voilà. Nickel. On essaye de pas utiliser tous nos points là, parce que si jamais on veut combattre la garde. Alors encercler 30% au lieu de 20%.
Ah non, non, hein, vous me faire chier. Maintenant, vous prenez vos mères. Faut faire gaffe avec lui. Ah putain. C'est une AOE autour de lui en fait. C'est pas devant. C'est pas un cône. Donc faut faire gaffe. Ça enregistre toujours. Ouais. Okay. C'est trop bien d'utiliser un seul écran. Tout le monde de ce côté-là, c'est bien, ça sert à rien. Ça serait bien qu'on puisse passer d'un personnage à l'autre. Je sais que sur XCOM, on pouvait pas à la base. Il y avait un mode pour ça, c'était sympa. Quand on passe d'un personnage à l'autre, on donne les ordres en même temps, plus ou moins. Enfin, extrêmement vite. Ok. On va... Laisse-moi. Merci. Voilà. Cercle, du coup. Lui, il va faire mal. T'as de la chance, je peux pas bouger. Alors, je vais voir le reste. Poison, poison. Adieu. Personne pour tanker celui-là? Je crois que toi tu peux. Cette nuit commence son tour engagé, elle effectue une attaque de portée en fin de tour. Ouais, faut qu'elle commence à engager en fait. Ça marche. Plus qu'une. Oh mon dieu. On doit repasser le tour à poison. Oh mon dieu. Ah ouais, non, non, ça c'est relou quoi. Bon, marchand, on a tué tout le monde.
Ouh! Jacques de maître niveau 5, c'est léger, mouvement 2, armure 37. Luciel est niveau 5. Je sais qu'il y en avait une armure niveau 5, mais je l'ai vendue. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc elle, c'est plutôt pure tank. Hein. Elle, on veut faire pure tank. Constitution. Peut-être augmenter la constitution. On va voir un peu son habilité. Donc on a dégagé à l'armure augmentée de 35%. Tant qu'il y a au moins deux ennemis à moins de 6 mètres de cette unité, elle a protection. Dégâts subis réduits de 30%. Dégâts critiques augmentés de 20% quand l'unité a au moins un malus. Ah, on avait dit qu'on voulait la faire tank, quoi. Après, il y a quoi? Les attaques ignorent 50% de la garde. Tant qu'aucune autre unité n'est adjacente à celle unité ou son adversaire engagé à la rivalité. Oh, c'est bien ça. Après avoir subi deux attaques, cette unité gagne déviation. Donc, déviation, c'est pas mal. Ouais, on l'a fait vraiment tank. La chance en super tank. Alors, j'ai eu une truc sympa, donc c'est du léger. Alors, toi tu critiques 3. Ouais, critique 3. Ouais, critique 3 aussi. J'ai envie de dire que elle a peut-être pas besoin du critique à la limite. Ah, c'est niveau 5. Ah non, c'est niveau 4, Jerny. Non, l'armure est niveau 4. Et niveau 5, pardon, mais il faut niveau 4 pour équiper. Ouais, est-ce que elle fait pas. Elle est pas vraiment dans le dégât. Donc à la limite. C'est pas si mal. Lui, critique, c'est bien parce que lui, il fait des dégâts quand il poignarde et tout. Elle fait des dégâts aussi quand elle poignarde, mais elle c'est plutôt support et tout ça avec les bombes et tout. Là. Donc ça c'est bien. Ça, faudra le vendre. Ça c'est fait. Forgeron pour réparer. Par contre, tu veux nous acheter ça, s'il te plaît? Merci. Ah, on a encore les joyaux et tout, c'est vrai. J'avais un peu oublié ça. Alors, es-tu content? Voudrais que l'œil nous regarde enfin. Et donc, annoncez à votre marchand qu'il peut compter sur moi. Qu'ils s'attendent à une commande dans les prochains jours. Ok, c'était où déjà? Je m'en rappelle même plus. C'était qui avait demandé ça? Franchement, c'était qui avait demandé ça? Après, vu qu'on a un peu d'argent, on pourrait acheter un peu du cuir et tout ça, j'ai pensé. Bon, il y a du métal, on n'en a pas, mais du cuir, on pourrait. Mais en fait, on peut aller chasser dans les montagnes et tout, et je crois qu'on va faire ça.
Rapide, stupide. Alors, maison communale. Ouais, non, je me rappelle plus, attends. Ah, non, ça c'est l'université. Vers Rosenberg, le comte du bar. Non, vers Rosenberg, je crois que c'est ça. Oh là là, la carte elle doit être grande, 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 quoi. Elle doit être grande, grande, grande. Ouais, il faut aller chasser. Alors on a un cheval. On a un cheval en plus. On a de l'argent, on a des vivres. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire la quête de Septel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a des gens? On va regarder s'il y a de la loi. On va d'abord leur parler et voir leur niveau et tout ça, parce que je sais pas en fait. Ah, peut-être vers la prison. Il y en a toujours vers la prison. Ah, oh, on doit se... Oh, putain, il y en a là. On doit se reposer avant. On va devoir se reposer avant. Avant un gros combat, de toute façon, c'est bien. Non. Donc, on leur parle. Normalement, ils vont dire, bah, il n'y a rien, tout ça, tout va bien. Et quand on fait attaque, on va voir leur niveau et tout. Ah non, attends, je peux... Ah, je peux pas le faire. Je peux pas leur parler et voir leur niveau. Enfin, si, je peux le faire, mais ils vont me fouiller. Si je refuse de me fouiller, en fait, je combats. Je suis obligé de combattre, donc du coup, bah, c'est un peu con. Et s'ils me fouillent, ils vont me faire ou payer, ou alors je vais devoir rendre... Tout ça. Mais honnêtement, 51 trucs, je crois qu'il y a quoi, 300, 400 peut-être pièces. Et puis honnêtement, j'ai pas envie de les rendre. Parce qu'on s'est fait chier à les récupérer. Donc, non. Alors, on a plus de peau. Non, on va attendre. Hein. On va attendre. Bon, bah, Septel, tu restes encore avec nous, hein, pendant un moment. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, non, Septel va rester encore un peu avec nous, quoi. On produit un autre rat. Putain, encore... Il y en a peut-être un peu trop. Humaniste, agile. On va peut-être en virer quelques-uns parce qu'il y en a peut-être un peu trop. Les bas niveaux, là, on va les virer au bout d'un moment. Pour l'instant, on les garde, mais. Non, mais je peux pas leur parler. Râteau pour une fois. Qu'est-ce quoi? Encore un autre pas dégueulasse. C'est trop demandé de cuire les vivres. Qu'est-ce qu'il veut? Contenir les maux d'estomac. Soigner. Viser d'un aliment frais pour limiter les dégâts. Voilà, éponger. Ah, c'est le poisson cru en fait qu'il a pas aimé. J'ai même pas fait gaffe que de l'avoir cliqué sur lui.
J'ai même pas fait gaffe. Bon, ça s'est fait peut-être automatiquement. Ouais, non, mais on peut pas leur parler encore. Putain, bon. Bon. Bon, bah, changement de plan. Bon, par contre, on a trois quêtes à rendre ici. Enfin, à faire ici. Donc, je pense qu'on va faire ces trois quêtes pour la suite de l'aventure. Et après, on revient dans la nouvelle zone. Donc, d'abord, ligne droite. M'approchez pas. Ah, c'est vrai que... Oh, le blanchiment, faudrait vraiment que ça aille plus vite. Bah, évidemment, là, il y en a plein des gardes. Ah oui, on va faire aussi le tour des mines. Et peut-être essayer de tuer des fantômes, là. Faudra les farmer. Regarde combien ils sont, quoi. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y en a une quinzaine, quoi. C'est ouf. Couper du bois. Non, mais jamais on les tue. Hein. Enfin, ça dépend de leur niveau, hein. C'est toujours la même chose. Ça dépend de leur niveau. Hein. Si, parce que quand on avait testé au début, je sais pas, je crois qu'ils étaient niveau 4, puis après ils étaient niveau 5. Je me demande s'ils montent de niveau avec nous, ou alors ils sont toujours genre en avance sur nous. Vous savez, un système comme ça où la loi est toujours plus fort que vous pour éviter de... Bah, pour éviter de tout détruire en fait, hein, de complètement... Genre les farmer et tout ça, quoi. Il y a quoi, là? Des champignons. Moi, je pense qu'il y a un système comme ça, mais je suis pas complètement sûr. Ils sont là, les mecs. Buscades. Ouais, moi, je pense qu'il y a peut-être un système comme ça, où les mecs... Bah les mecs, ils sont toujours plus hauts. Mais bon, faut que je me renseigne. Faut que je me renseigne pour ça. Donc ces mecs, ils sont que 4. Les mecs là. Est-ce qu'on est proche de la... De la prison? Je crois qu'on est proche de la prison. Ouais, ça va être un peu compliqué de les... C'est un peu compliqué de les... Les attraper. Bon, au moins c'est vite fait. De l'argent facile. Je rappelle quand même que bon, c'est 200 et quelques, hein, la prime. Ok. 224. Ouais, là-bas c'était haut niveau par contre. Je crois. Ouais, 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 non, là-bas c'était haut niveau. C'était là où on avait les trucs niveau 8 là. Les ours niveau 8 qui nous ont attaqués. Et, si on n'avait pas eu les. Genre la viande sur nous, on était mort. Frappe d'équipe, non. Non. Les marchands. Les marchands, on peut se les faire.
Les marchands, on peut se les faire. Ça, y a pas de problème. Mais le... Mais la garde... Je pense pas. Hein. On va faire le reste des quêtes. On va regarder pour payer. À la taverne. C'est combien? 228. Non, attends, si on vire. Parce qu'en fait c'est un peu beaucoup, 95, on sait pas ce que 100 de nourriture à chaque fois quand même, c'est pas exagéré quand même. Alors toi, niveau 1, casse-toi, niveau 1, casse-toi, niveau 2, casse-toi, 89 c'est déjà bien, parce qu'on a quand même les 3 sangliers là pour le moment. On a aussi les poneys, c'est plus... Pourquoi 6? Ah oui, non, normalement c'est 6, lui c'est juste parce qu'il est... il est à 7. Donc il mange moins. Il y a le rat pestiféré, je sais pas si on ne devrait pas le virer aussi. Bref. Voilà, 89, c'est déjà mieux. Est-ce qu'on paye moins maintenant? 214, je me rappelle plus combien c'était. Je me rappelle plus. Je crois que c'est moins. Enfin, après, on peut se reposer à l'auberge, à la place. ça nous fait... gaspiller moins de vivres et après on continue. Alors tout le monde a des pochettes. Ça va. 267. Très bien. Les compagnons se sentent reposés. Par contre, ah et par contre, on n'a pas le. On n'a pas le repos en fait qui compte sur ça. Ou crafter des choses en fait. Intéressant. D'accord. Je savais pas. Tu vois là, on a testé. Je savais pas comment ça fonctionnait. Donc ouais. Donc ouais, c'est qu'on passe à l'auberge, donc du coup on n'est pas au camp. On travaille pas. On travaille pas à notre camp. On fait pas les objets et tout ça. Même l'érudit il fait pas la recherche en fait. Un peu bête. C'est une nuit bah, perdue quoi. Mais bon voilà, oui, ça compte pas la nourriture au moins. Mais ça en économie. Récupérer du métal, ça fait longtemps. On n'a pas en plus. Oh, confirmé. Augmente la quantité de ressources récoltées en minant.
Constitution 4, force 2. Alors, peut interagir exclusivement des mines dans les extraits de leur minerai, peut découvrir des pierres précieuses, et augmente la quantité de ressources. Ok, cool. Base minerai, un saphir, c'est bien. Je pense que la quête de Septel, là... Merde. On est bloqué avec, honnêtement. Et on va devoir rester avec, genre à tout jamais, jusqu'à ce que le jeu sorte. Et là, on recommencera, donc, du coup, je pense que je recommencerai une mission, une histoire. Et voilà. Je pense que là, on est bloqué avec elle. Pour le moment. Par contre, c'est que si c'est des niveaux 1, encore une fois, on va peut-être les laisser fuir maintenant. Tu vois ? Niveau 3. Je sais pas si on gagne plus d'expérience ou pas. Enfin non, si on perd de l'expérience à les laisser partir. On l'a jamais fait encore. Tiens, on pouvait l'assommer. Ouais non, mais on va pas se faire chier. C'est bon quoi. Vous voulez pas quitter les mecs? Non? Ok. Ça marche. J'aurais dû peut-être avancer tout le monde en fait. Au lieu de faire ça à la va-vite. De là, c'est vrai qu'on commence à tuer les gens en fait rapidement quoi. Du coup, il reste deux personnes, ouais, super. On a mal joué. Genre des... Genre 4 mecs. Enfin des 2-3 connards qui font chier quoi. C'est énorme. Parce que j'ai mal géré mon début. J'ai juste... zappé quoi. Incroyable. Ah, c'est à prendre.
Babiole. J'ai pas vu, désolé. Correct, ils ont rien dit. Correct, ils ont rien dit. Attends. Peut-être monter directement là. Enfin, j'y crois pas, je vais balancer le javelot dans la tête, voilà. Bah c'est quand je veux aller vite et je fais de la merde alors. Putain, on peut pas y aller? Par où on passe? Ah. Oh mon dieu. Oh mon dieu, je vois rien du tout quoi. Ah, j'aurais dû peut-être réparer l'équipement. Maintenant on va prendre cher. C'est bien. À vouloir faire vite, on fait de la merde, c'est bien. Fragilité. Pourquoi fragilité? À cause de la lumière? Genre à cause du... la neige? On les encercle. J'en ai touché qu'un seul. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Kirik. Il est là. Il est huile de force. Ouh. Force augmentée de 10%. Cette fois, on va un peu mieux tirer. Voilà, très bien. Ah, je peux plus bouger. On laisse partir. Comme ça va plus vite. Très bien. Bon ben voilà. Putain, on voit rien, ça. J'ai l'impression que ça lag.
toujours en train de blanchir ça. Ça met 7 ans, c'est bien. On va pas réparer les choses encore maintenant. Ah, on a plus beaucoup de vivres, hein, c'est ouf quoi. Incroyable. Alors, progression. Donc, cool. Très bien, on a un point. On a un nombre de contrats. Il y a les... sens de la conservation. Il y a les poulets qu'on avait vus, là, ça aurait pu être pas mal de les faire. Mais les poulets, on les trouvera. Je sais jamais quoi prendre, honnêtement. On va peut-être attendre, tout simplement. Temple. Il faut des plantes aussi. Je vais voir s'il n'y a pas des animaux à chasser, vite fait, comme ça on se refait un peu de... Yes. Yes. Ouais, défonce. Bon bah au final hein, on fait jamais vraiment ce qu'on veut, hein. Enfin, ce qu'on a prévu. Hein. C'est con qu'on n'a pas fait une embuscade. Les embuscades devraient être un peu mieux faites. Tu vois, du coup ils ont plusieurs groupes là, c'est chiant. C'est très chiant. Faire attention à ce qu'on fait en fait à chaque fois. Genre, est-ce qu'on peut ne pas être là-haut? Ça serait bien. Ça, on est à deux groupes différents, c'est bien. Il est où le premier? Bien sûr, on ne voit pas. On va mettre l'ours là, du coup. Ah putain, je peux le bouffer. Orline. Je voulais faire le coup du poison, mais... On va pas exagérer. Hein. On n'a pas vraiment besoin.
Ouais, pas mal. Manqué. Sûrement là. Très bien. Ah, on les tue vite. Hein. Je cherche pas trop à comprendre, c'est pas comme si ils allaient faire quoi que ce soit. Ah non. Sans déconner. Le reste. Faut qu'elle se mette devant, quoi. C'est incroyable, quoi. Merde, j'aurais pas dû. Je vais mettre un coup, c'est pas grave. Après là je pars pas parce que c'est pour la nourriture en fait, donc on en veut le plus possible évidemment. C'est la défense, c'est débile. Je crois pas que l'autre elle soit dans le rayon quoi, c'est ouf. Faut attendre qu'elle joue en fait. Bah là, elle va sûrement te taper le L. Du coup, ça va être encore la même chose. Ah, c'est fou, ça. Un petit critique. Non, c'est là. J'aurais dû faire l'inverse. Avec la fièvre, on aurait fait peut-être plus de dégâts. Je sens mal. On peut aller là. Je vais la booster à la vitesse, mais je crois qu'elle va aller sur... Ah, attends, je peux lui dire de... Parce que là, elle va se mettre à côté et elle va taper... Je peux lui dire de fuir.
Voilà, fuir. Yes! Ah mon dieu, merci. Tape obligatoirement. Putain, ce temps perdu, quoi. C'est fou. Ça, c'est un peu le problème de jouer dans les petites zones dans un jeu de stratégie comme ça. Voilà, très bien. C'est pas énorme, énorme. Mais ça va nous nourrir. Attends, y'a quoi là? C'est strictement rien. Tiens, est-ce qu'on peut descendre directement? Parce que ça aussi, ça serait un moyen de... de contourner le péage en fait. Non? Hop là. Enfin, après il nous demandait... Non, si, il nous demandait un laisser-passer. Putain, c'est sérieux, il y avait une plante juste à côté. Je vois rien de toute façon. C'est normal que je vais louper. Par contre, c'est un peu chiant de de cliquer là-dessus. Alors, fais voir. Ah, c'est ça, on veut ça. 72. Merci. Il y a un camp là-haut. Alors, on n'est pas allé dans les montagnes et tout ça, ici. Ce qu'on peut faire... on peut faire les premiers soins. Finir ça, je pense. Ça m'embête parce qu'on n'a pas vraiment fait ce que je voulais, ce que j'avais en tête, mais... Mais bon. Il y a toujours des bandits à la con, on s'en fout. Sérieux ? Ok, là c'est pas drôle. Là c'est pas drôle. Ouh. Ah, c'est une gros bandit ça. Alors, on a tout.
3 là. 4 ici. Là, il y en a pas. 3 ici. À la limite, on va peut-être ignorer ces 3 là. Mettre le l'ours ici pour les bloquer. Et là aussi faire attention. Quelle merde. Pas ultra bien placé. Elle est où notre Jill Valentine? Alors, Avril. Ok. Ah, oh, on fait moins de dégâts. Hein. C'était con. C'était un peu con. Bien la protection automatiquement. Ouais, ça c'est cool. Ah, il y a les sangliers ici, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. Ah, moi, il faut que je fasse une pause dans le jeu. Là, ça commence à. Ça commence à légèrement me prendre la tête en fait. J'ai trop. Ouais, trop joué. Okay. Bon ciblage. Ça fait rien, quoi. Ah, combat de fatigué, c'est vraiment la chose à pas faire. Hein. Putain. C'est assez incroyable. Ouais, c'est pas comme si on allait pas y arriver, hein, mais. Mais ouais, c'est un peu la galère.
Genre plus personne fait aucun dégât quoi. C'est incroyable. Même l'ours, on dirait qu'il fait des chatouilles quoi. Je sais pas si je vais arriver à toucher. Ouais, on est bon. Nickel. Bien joué. Vraiment bien joué, toi. Non, putain, après, il y a tout ça, quoi. Ouais, ce qu'il faut absolument qu'il rajoute dans le jeu, c'est de pouvoir passer les tours comme ça, là, facilement. Et sinon, ça devient... ça devient chaotique, en fait. Et peut-être... Vu qu'ils aiment bien mettre de la stratégie et tout ça, peut-être avoir des plans pour que les gens soient plus ou moins ensemble en fait. Genre si on a des combos à faire en habilité, comme ce qu'on fait en fait tout simplement, que les gens se placent automatiquement côte à côte à la limite. Ça serait vraiment bien, ça ferait gagner du temps en fait. Parce qu'à chaque fois il faut quand même remplacer tout le monde, c'est un peu chiant des fois. Allez, maintenant on les tue. C'est bon, tout le monde meurt. Bah, peut-être pas lui, mais... voilà, pas mal. Pensez pas partir. Pensez pas partir les mecs. Vous avez commencé, maintenant on finit. Je défonce tout ça. T'es résistant toi, vache. Très bien.
Ah non. Non, non. Fallait pas rester, hein. Fallait pas attaquer, surtout. Fallait pas attaquer. Toi, t'as déjà joué? Ah non. Non, mon dieu. Sans déconner. Si je savais où était la prison, ça se passerait mieux aussi. Là, on pourrait en attraper quelques-uns. Oh, cool. Ouais, d'accord. On a full combo. Je crois pas que je peux booster les deux. Mais elle arrivera jamais là-bas. Si elle peut booster les deux. Et ça lui servira à quoi de faire ça? Je peux pas. Ah si, je peux. Peut-être l'ours il peut. Ouais, il est à côté, ouais, il est à côté, ça marche. Tant qu'il est pas engagé, l'ours, ça marche. Eh ben. Bon, après, ça vaut le coup pour l'argent. Alors. Ok. Yes! Rivalité. Dégâts subis causés par l'adversaire engagé, réduit de 50%. Ça, c'est cool, ça. C'est cool, là. T'as 74 de vie. Ouais, on va te mettre un peu de force, c'est bien. Ah, il y a le mouvement aussi. Ah, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors, armure 43. Ouais, armure intermédiaire niveau 5. C'est la même que ça en fait, d'accord. Donc, peut-être pour Will. Attends, c'est Kirik qui l'a. Will peut-être. Critique 3. Non. C'est pareil en mieux. Nickel. On repasse sur ça. Et là on a quoi? On a armure. Critique 3%. On fait voir. On a critique 3%. Qui a besoin de critique? Taurus. Taurus, ouais, tu prends cher. Là, ça fait quoi? Moins de 13? Sérieux? Ah oui, il y a 36. Non, j'ai rien dit. Je crois que là, l'intermédiaire, là, elle va pour personne maintenant. Armure 42, 14. Torte, c'est pareil. Par contre, il y a l'arc de tir vicieux là, j'ai envie de le mettre. Puis de le mettre pour qu'elle fasse un peu plus de dégâts. Enfin, qu'on l'utilise un peu plus souvent déjà. 10 à 17. Par contre, faudrait lui remettre du critique peut-être. J'en sais rien. On va essayer de garder le truc. Ça on vend. Ah mon dieu.
pas si on, on continue jusqu'au... jusqu'à l'abbaye ou pas, en fait. Alors, on peut peut-être continuer jusqu'à l'abbaye et on... Merde, on s'arrête là. Alors, la carcasse. Hop, très bien. Voilà, nickel. Toi, t'es toujours en train de faire les rats, c'est bien. Voilà, nickel. Soldat versé, très bien. Alors, reposer, les rats ont reproduit. Les rats sont reproduits. Peau dure et humaniste. Ça marche. On le gardera jusqu'à ce que... jusqu'à la prochaine... le prochain repos, en fait. Quand tu veux, hein, tu fais ça, toi. Encore une nuit et on va voir ce qu'on a récupéré. On est à combien? Ouais, on va finir la mission, là. Où il faut des fleurs, là, et on s'arrête. Que vous vendez des trucs intéressants. Non. Très bien. On rentre, on fait ça. Après, on rentre à la ville et on s'arrête. Alors, toi, normalement j'ai les fleurs. Yes. Grâce à vous, je vais enfin pouvoir faire mon travail. Merci infiniment, prenez ceci, j'espère que ça vous sera utile. Okay, cool. Merde, j'ai pas vu. Civière. Le plan d'une civière, quoi? C'est où, civière? Ah, du coup, on avait un point déjà. Merde. Une civière, compagnon a signé une blessure et soigné pendant le repos. Oh. Ah putain, j'arrête. Ah. C'est, en fait, c'est parce que là, la croix, en fait, elle continue à prendre ce que vous avez en, dans l'inventaire, en fait. Faudrait qu'à la ligne, ça s'arrête. Genre, j'arrête d'avoir un objet. Très embêtant, ce truc. Attends, on va rentrer à la ville. Oh, on est une civière. On peut soigner les blessés, du coup. On n'a même plus besoin d'utiliser un remède, ça tue. C'est vachement bien. Ah, on devient vraiment super autonome, par contre. Honnêtement. On devient méga, méga autonome. Fais voir. Alors. Une civière. C'est dément, quoi. Alors, compagnon a signé une blessure et soigné pendant le repos. On va laisser les trucs s'amuser là. J'adore mon corps. Donc là, on a par exemple lui qui est blessé. Donc la prochaine fois qu'on se repose,
par contre, c'est mal fait. Il y a son arme qui flotte. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il est mal en point. Je vais voir si je mets genre toi, par exemple. Non, je peux pas. Ok, d'accord. C'est tu mets les gens qui sont abîmés, en fait. Ok, okay, ça marche. Ouais, tu mets les gens qui sont... qui sont abîmés. C'est ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique. Ouais. Je voudrais bien un truc un peu plus convivial, genre tout un peu plus... vers le feu. Et le problème c'est que le loup faut qu'il soit à côté du truc quoi. Ah, il peut faire office de guet aussi avec elle par exemple. On peut faire comme ça. Si on peut faire comme ça, les animaux un peu du côté, bon ça c'est les trucs à bouffer, les rats là qui s'amusent. Après on a notre cheval de bataille avec l'ours à côté. Après ça c'est les chevaux là qui trimballent les choses, donc ils sont à part. Puis après t'as les gens qui travaillent et tout ça ensemble. Et ceux qui sont à la tente. Ouais. C'est qui qu'elle aime pas, elle? C'est Wit qu'elle aime pas. Wit, il est en train de faire à bouffer. Bon, bah c'est cool. On va récupérer notre argent et tout ça, réparer notre bordel, et on est bon. Alors... On est sur 4. Ah, j'ai fait l'état de nombreuses morts violentes. Ça, ça aussi, ça je crois que c'est un truc spécial ça. Combat de Kaal, le fantôme des rags. Purifier les rats. Purifier les rats. Je pense que les rats d'ici, ouais, c'est moyen. Ils doivent être 5-6 peut-être. Les niveaux, hein, je parle. Donc ça va être très compliqué pour nous. Donc je pense pas qu'on peut le faire. Après, le fantôme, je me demande si c'est pas encore un élite, ça. Mais bon. Hein, j'ai pas vraiment envie de prendre la quête maintenant si c'est un peu la merde. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'on prend d'autres missions? Je pense qu'on va en prendre d'autres quand même. Pendant qu'on se balade, on les fait. Je déteste ce truc. Faut que j'arrête de faire le troisième niveau, honnêtement. Ouh, deux côte à côte. Je vais arrêter de complètement faire le troisième niveau. Genre le faire une fois, c'est bien. Et puis honnêtement, ça dépend après de combien d'influence on a. Non, ragoût de porc. On va se remettre à bloc et je crois qu'on va s'arrêter. Ouais. Hop. Réparer. Par contre, on a donc ça, ça et ça. Et les flèches incendiaires, pour le moment, on les garde. Ouais, que je me prenne 5 minutes pour faire le pour mettre l'inventaire bien. Parce que l'inventaire, en fait, c'est vrai qu'il bouge pas tant que je fais pas.
par type. Enfin, par. Tant que je le fais pas moi. Donc c'est vrai que ça aiderait. Mais je voudrais tellement pouvoir augmenter la taille des fenêtres, ce serait trop bien. Quoi. Alors, on avait dit qu'on pouvait faire. Genre le fer plaqué, c'est ça. Le bouclier plaqué, pardon. Genre on pourrait. On peut en faire et ça nous aiderait, je crois. Après le reste, on a pas besoin. C'est pas mal hein, ces trucs là. C'est vraiment pas mal. On peut faire des boucliers. Parce que les boucliers, on a des tares, je crois. Et on a. C'est vrai que les boucliers, on n'a pas trouvé de trucs bien pour jusqu'à présent. Vas-y. Fais-moi pleurer. Mais what? Ça me rend fou. Bon, allez. On va prendre des plans forgés, ok. Il en faut combien de boucliers? 2 ou 3? Putain, ça va me rendre fou quoi. Ah, c'est les mêmes. Bon, c'est déjà, c'est toujours mieux, hein. Enfin, quoique, la garde est moins bonne. Non. Non, l'armure est moins bonne. Bon, on a protection dessus. Protection, on s'en fout en fait. Enfin, elle s'en fout. Bon, après, c'est plus joli. C'est quand même beaucoup plus joli. Hein. 39 en déviation. Mais ils sont super larges quand même, les boucliers. Ce qui a du sens. C'est un peu con qu'il y ait moins d'armure dessus. C'est un peu deg. Et après, il en faudrait un autre pour Torte. Celui-là. Allez, c'est reparti. Normalement, je peux en faire. Ok, let's go. What the fuck? Oh! Non, mais protection. Non, on s'en fout des trucs en bois. On va pas les mettre. Bon, lui, il va se faire soigner, donc il a pas besoin de le soigner. Ah, ça me rend fou, ce truc. Le système. C'est que le craft, par contre. La forge qui me fait ça. Que la forge. Faut appuyer un tout petit peu avant. Pour être certain d'avoir le truc. C'est... très très agaçant. La tisse. Ça fait cher ce 60. Très bien. Soigner non. Est-ce qu'on va soigner nous-mêmes? De toute façon, ça, on peut plus vraiment rien faire. Donc ça va. On est à 1600, ce qui est bien. Oh, toi. Ah, les cordes. Les cordes, je veux bien. Le bois, c'est bon, on s'en fout. Ouais, il faut qu'on reste dans cette zone-là. C'est beaucoup plus intéressant, honnêtement. Les haricots, du miel. C'est quoi ce qui manque? C'est du blé, je crois. Hein. Ah, des anguilles.
Tiens. Du lait. Eh, on commence à être lourd là. Bah non, toi on va te virer avant de. Tu nous aides en fait pour les combats du moment. Et puis après on te vire une fois qu'il faut manger. Ou alors on te mange. Ok. Les cochons sont encore. Sont pas encore finis, pas encore gras. Ok, on a 3 jours. On a à peine 3 jours de nourriture. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Par contre, donc en fait j'ai fait exprès de prendre. Donc 12 anguilles. Parce que j'ai remarqué qu'ils vendent des anguilles assez souvent. Alors après, bon, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais ouais, anguilles bouillies. Voilà. Anguilles bouillies. Voilà, on a, on a beaucoup de sel. 4 jours. Après, qu'est-ce qui manque? Ouais, c'est du porc en fait. Des raisins. Pommes et blé. On a un petit paquet de miel. On le garde de côté, c'est pour ça. Et après, il faut des pommes et du miel. C'est pour ça que je voudrais le garder de côté en fait. Des pommes et du miel. C'est vrai que les pommes, on les utilise souvent, les pommes. C'est con, hein, mais c'est parce que je trouve pas de blé. On n'a pas de. Dire de trucs stables de blé en fait d'entre eux. Faudrait parler au marchand toujours en fait. C'est vrai que je le fais pas aussi. Donc ça fait ok. On fait plein de trucs maintenant, c'est vraiment top. Lui il est toujours occupé avec les rats, donc c'est bien. Le mouton, c'est qu'est-ce qui nous manque pour le mouton? Pourquoi je peux pas faire du mouton? Ah, oh, les raisins, ok. Haricots au mouton. Ah, mais il y a un moment, je disais les haricots au mouton, mais non, c'est en fait, c'est le ragoût de porc qui prend les haricots, et ça, c'est le haricot. Haricot de mouton. Et c'est avec le raisin. Ok. On est bon. Je crois que je vais mettre un peu de... d'ordre dans l'inventaire et puis après on y va. Après j'ai encore des choses à vendre mais ça prend pas de place, c'est 0,1. Donc je les garde de côté juste au cas où si jamais on trouve un, je sais pas, des marchands qui prennent plus cher, j'en sais rien. Mais bon, là je suis content. Donc la prochaine fois, donc ça on l'a fait, qu'est-ce qui manque? Trouver l'artefact caché dans l'abbaye de Sainte-Éléor. C'est vrai que ça aussi, on doit faire ça. Ah, donc du coup, il faut peut-être chercher, en fait. Leur trouver des trucs secrets ou je sais pas trop quoi. Ouais, on va devoir peut-être faire ça. Bon, eux, ils sont loin, c'est chiant. Mais là, on a... le souvenir enfoui, on peut faire ça. Ouais, on peut faire ce... Ils sont où, les autres déserteurs, là, en fait, à l'intérieur? Je crois qu'on peut faire ça. On peut partir, en fait... vers l'ouest, vers l'abbaye, voir un peu en fait ce qu'il y a là. Et après, on prend chemin, on regarde ce que c'est, souvenir enfoui. Je ne sais plus ce que c'est, souvenir enfoui. Souvenir enfoui. Trouver un moyen d'ouvrir la trappe. Ok. Et après, on continue là, comme ça, ça nous fait ouais, presque 500. 450 de récompenses. Comme ça, voilà, on a une petite avance. Et entre temps, on essaie aussi de récupérer un peu de bouffe. Mais là, les 3 porcs qu'on va avoir, c'est bien, là, les 3 sangliers. Ça va être cool. Ils vont être bien gras, très vite. Je pense, dans pas très longtemps. Les soins, on peut maintenant soigner un par un nos mecs. Ça, c'est cool. Ouais. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je m'étais un peu agacé au début. Genre quand on était revenu dans l'ancienne ville, parce que c'est vrai que ça va vite et tout ça. Bon, après, les gens, ils fuient, donc on peut mettre fin au combat assez rapidement. Donc ça va, ça passe, quoi. C'est juste que c'est embêtant.
Mais ouais, non, mais y a un truc, c'est la quête de Septel, hein, c'est une horreur, hein, c'est une catastrophe, la quête de Septel. Parce que je suis quasiment certain que les ennemis, en fait, montent avec elle. Déjà, elle monte avec nous en niveau, donc c'est bien. Mais bon, je voudrais bien l'enlever, quoi, un jour ou l'autre. Après, elle a une torche infinie, hein, je veux pas dire, hein, mais elle nous a pris une de nos torches, parce qu'il y a lumière 2 sur 6. Donc c'était une torche abîmée. Elle l'a équipée. En combat, hein, je parle, en combat. Elle l'a équipée et maintenant, bah, elle l'utilise. Donc bon, enfin, c'est pas si mal, hein. Mais bon. Mais bon, voilà, quoi. Je me demande si on devrait pas mettre des torches à nos voleurs. Enfin, non, il y a des dégâts critiques. Elle a de la garde en plus. Non, ouais, c'est bien. À la prochaine. Ciao, ciao.